Conseiller en investissement immobilier. Le conseil en investissement immobilier. À la faveur des dispositifs fiscaux successivement mis en place par l'État, l'investissement immobilier a pris une place prépondérante dans la gestion de patrimoine. Pour autant, quel que soit le dispositif fiscal envisagé, l'achat d'un bien immobilier doit être intégré dans une réflexion patrimoniale d'ensemble. Déroulement de la mission. Nous vous accompagnons au travers d'une approche professionnelle et structurée dont le déroulement repose sur 4 étapes. Découverte. Après avoir découvert votre objectif, achat d'un bien d'usage, investissement locatif, nous procédons à l'analyse de votre situation patrimoniale et récupérons l'ensemble des documents et informations nécessaires à notre intervention. Stratégie. À partir des informations recueillies, nous vous proposons une stratégie immobilière adaptée à votre situation. Le document que nous remettons vous précise le montant maximum de l'investissement, le régime fiscal à privilégier, le montage financier à envisager et l'effort d'épargne né de celui-ci. Sélection du produit immobilier. Nous commençons dans un premier temps par définir un cahier des charges précis en fonction de vos choix. Ainsi, plusieurs critères importants seront analysés, emplacement géographique, surface habitable. Nous procédons à une recherche auprès de nos partenaires promoteurs afin de vous proposer un bien adapté. Un rapport détaillé vous présentant les forces et limites du projet vous est remis. Mise place du projet. Nous vous accompagnons de la signature du contrat de réservation jusqu'à la signature notariée en passant par le montage du crédit bancaire. Stratégie et finances est en permanence à vos côtés. L'acquisition réalisée, nous restons à votre écoute pour répondre à toutes les questions liées à votre investissement. Investir dans l'immobilier, mais dans quoi? Titulaire d'une carte de transaction immobilière attribuée par la préfecture, nous sommes en mesure de vous proposer, par le biais des promoteurs avec lesquels nous avons noué des partenariats, tout type de projet. Éventail des solutions sur lesquelles nous sommes en mesure de vous conseiller. Revenus fonciers classiques, ou avec travaux. Probablement la fiscalité la plus connue des investisseurs, les revenus fonciers naissent de la mise en location d'un bien immobilier nu à un locataire désireux d'en faire sa résidence principale, charge à lui de le meubler. Ce régime fiscal est aujourd'hui peu attrayant pour les contribuables à la tête de revenus confortables, sauf à faire l'acquisition d'un bien nécessitant une profonde rénovation. Déductible des loyers encaissés, les travaux viendront en effet réduire le coût de la fiscalité. Malraux, monuments historiques. Présents depuis de nombreuses années dans le paysage de l'investissement immobilier, ces deux dispositifs incitatifs ont pour objectif de remettre sur le marché locatif des biens présentant un intérêt particulier sur le plan historique, monument historique, ou appartenant à un quartier classé pour son intérêt sur le plan architectural, Malraux. Particulièrement prisés des contribuables les plus aisés, ces deux dispositifs offrent de fortes réductions d'impôts.